Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. J'ai reçu plusieurs messages au sujet de ma vidéo concernant la journée de tir au profit du Bleuet de France. En effet, certains d'entre vous m'ont fait remarquer à juste titre que je n'avais parlé de cette initiative que sur Facebook. Et de fait, j'avais exclu tous ceux qui n'avaient pas de compte Facebook et qui me suivent uniquement sur YouTube. Alors c'est promis, la prochaine fois que je mettrai en place une telle initiative, j'en ferai la promotion sur YouTube pour qu'un maximum de gens soient au courant. Mais rassurez-vous, on peut encore réparer tout ça. Je m'explique. Si vous désiriez participer financièrement à cette journée caritative, vous pouvez encore le faire. Je vous mets le lien de la vidéo et dans la description de la vidéo, il y a un lien sur une page MyTip et je reverserai tous les dons sur cette vidéo au Bleuet de France. Ça viendra s'ajouter à l'argent qu'on avait récolté ce jour. Maintenant, si vous regrettez de ne pas avoir pu venir vous entraîner avec nous, sachez que tout n'est pas perdu. En effet, même si c'est les vacances, Lénith ne part pas en vacances. Et pour ceux qui veulent continue à travailler pendant l'été, elle a prévu plusieurs sessions de cours pistolet chez moi à Gajoubert. Donc si vous voulez venir vous entraîner, ce sera des sessions sur 2 jours qui auront lieu le 23 et le 24 juillet, le 20 et le 21 août, le 17 et le 18 septembre, le 26 et le 27 novembre. Donc si vous voulez venir vous entraîner et bosser avec nous à Gajoubert, écrivez à l'adresse qui s'affiche, vous aurez toutes les infos avec le programme, les tarifs, tout, mais dépêchez-vous, le nombre de places est limité. Allez, je vous dis à bientôt sur la ligne. Bon allez, maintenant on peut se concentrer sur le sujet de la vidéo du jour qui sera un tuto et nous allons parler de la visée. Pour commencer, définissons ce qu'est la visée. La visée est l'acte qui va permettre de manière plus ou moins précise en fonction de la distance d'aligner l'œil, les organes de visée et la cible. La visée est fondamentale car le tir est tout simplement la coordination de la visée et de notre action du doigt sur la queue de détente. Dans un premier temps, voyons comment utiliser les organes de visée qui se trouvent sur notre arme, à savoir notre guidon et notre cran de mire. Le but va être de venir placer notre guidon au centre de notre cran de mire en respectant le principe suivant que les anglophones appellent Eagle Eyes, Eagle Light. Ça veut dire que le guidon devra être à la même hauteur que notre cran de mire et que de chaque côté du guidon, il devra y avoir le même espace. Si notre guidon est placé plus haut que notre cran de mire, et bien tout simplement notre tir va être trop haut par rapport à ce qu'on vise. Et inversement, s'il est placé plus bas que notre cran de mire, le tir sera trop bas. La même logique va s'appliquer avec les espaces qu'on va devoir trouver de chaque côté de notre guidon. Une fois ces principes d'utilisation acquis, on pourrait se dire qu'en fait viser, c'est relativement simple. Mais pas tant que ça, car il va quand même demeurer quelques facteurs qu'il faudra maîtriser. Un des premiers problèmes que nous allons devoir gérer est le fait que même si nos organes de visée sont fixés sur notre arme, et donc rigides, il faut garder à l'esprit que notre arme, elle, est fixée sur un corps oscillant, à savoir nous. Car heureusement pour nous, notre corps est en vie, notre cœur pompe du sang, qu'il envoie dans nos veines, dans nos artères, et tout ça va créer des oscillations, des mouvements. Et il va falloir apprendre à faire avec. Le mieux est l'ennemi du bien. Il est inutile de vouloir chercher l'immobilité parfaite, tout simplement parce qu'on ne va pas y arriver, et que si on s'évertue à vouloir l'immobilité parfaite, ça va déclencher d'autres erreurs qui vont être plus préjudiciables pour la qualité de notre tir. Il faut accepter le fait que ces faibles oscillations n'auront pas un effet vraiment impactant sur notre résultat en cible. Une fois qu'on va avoir maîtrisé ceci, un autre aspect va être à prendre en compte. Il va falloir gérer le fait que, même si l'œil humain est une merveille, il ne peut pas voir net de près et de loin en même temps. Il lui faut faire un choix. Et comme pour viser, il va nous falloir aligner différents éléments à différentes distances, il va nous falloir choisir. Et la bonne méthode, en fait, c'est de se concentrer sur le guidon pour avoir un guidon net. Un cran de mire flou, un guidon net et une cible floue. Et donc il faut assimiler le fait qu'on soit capable de toucher une cible au contour flou pour peu que notre guidon soit net. Et c'est là que va se trouver une des difficultés majeures. Vous avez souvent entendu, les gens disent « il entend mais il écoute pas ». Et bien de la même façon, on peut voir sans regarder. Je m'explique, on va pouvoir prendre sa visée, mais on va avoir un défaut de concentration. Pourquoi ? Parce que on va penser au résultat qu'on fait, on va se mettre la pression, on va vouloir regarder la cible. Et tous ces petits facteurs vont faire qu'on va perdre le focus sur notre guidon. Et il est vraiment essentiel de le travailler. Toute notre concentration doit se porter sur notre guidon et notre cible doit être floue. Donc je vais vous proposer un petit exercice qui va se faire avec une cible qui n'aura pas de zone, qui n'aura pas de score, pour qu'on puisse occulter toute cette notion d'échec ou de réussite. Le petit exercice suivant va juste nous permettre de travailler sur ce focus sur le guidon, qui est essentiel. Il est facile de comprendre comment viser, mais nous avons tous un seuil de concentration qui peut être différent. Et on doit travailler cette concentration sur le guidon pour améliorer nos résultats en cible. Donc on se retrouve sur le bas de tir, je vous explique ce petit exercice et on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va partir du principe qu'on sait prendre la visée. Donc quels sont les facteurs qui vont faire que quand je vais être comme ceci, que ma visée va être bonne, qu'est-ce qui va pouvoir faire que je vais rater ? Bah tout simplement parce que souvent, on est plus préoccupé par le résultat que par les actions qu'on est en train de faire. Or, notre résultat en cible va juste dépendre de ce qui va se passer derrière notre arme, de ce que nous, on va faire. Et en fait, souvent, on va être comme ça, on va dire « Ok, ma visée, elle est bonne » et on va passer par-dessus, on va mettre un petit coup d'œil à la cible pour voir si elle est toujours là, pour voir le 10, pour voir ce qu'on vise. Alors qu'il faudrait vraiment rester concentré sur ce guidon. Donc je vais vous donner un petit exercice qui va se dérouler en deux temps, tout simple,
que je vous invite à tester après. Le but, ça va être de vider son esprit de la cible. On se fout du résultat. Notre résultat ne sera qu'une conséquence de ce qu'on va faire avec notre arme. Plus on va être concentré sur notre visée, notre action du doigt, meilleur sera notre résultat en cible. On n'a pas besoin de se soucier de la cible. Et c'est ce qu'il va falloir qu'on combatte parce qu'on est tous pareils. On veut un bon résultat. On va regarder, on va viser. Hop, on va regarder notre cible, on va revenir. On va perdre la concentration sur le guidon et elle est fondamentale. Allez, c'est parti pour ce petit exercice. J'ai mis une feuille de papier sur laquelle j'ai mis une tache de peinture orange. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui tranche sur le blanc. On peut le faire avec du blanc aussi. Mais là, c'était vraiment pour avoir quelque chose qui contraste avec mon guidon et ça rendra l'exercice plus facile. Donc, on va se reculer à 5 mètres, à 10 mètres. On s'en fout, peu importe. Vous vous reculez là où vous pouvez, comme vous pouvez. Donc là, je me suis reculé. Je suis à une dizaine de mètres. L'exercice est simple. Je vais juste présenter mon arme, monter en cible, placer, prendre ma visée et je vais me concentrer sur ce guidon. Je me concentre jusque sur ce guidon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que lui de net. Et je descends. Le cran de mire et la cible floue. Quand on va voir cette image, le but ça va être de la garder. Et on se rend compte qu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même, les mêmes yeux, on n'a pas tous la même faculté de concentration. Donc l'exercice, je ne vais pas vous donner de temps, vous le faites et vous essayez de vous forcer à garder cette concentration. Donc je me remets en position d'attente, je monte en cible. Je prends ma visée et je me concentre sur ce guidon. J'oublie la tache orange qui est derrière, c'est plus qu'une tache, c'est plus mon objectif. Mon objectif, c'est de me focaliser sur ce guidon. Ok, je descends, je me décontracte, je remonte en cible. Je me concentre sur mon guidon est bien net, tout le reste est flou, mon guidon est net. Je me concentre que sur mon guidon. Ok, je redescends. L'idée est que vous répétiez cet exercice autant que fois que vous jugez nécessaire. Ça va vous entraîner à bien prendre votre visée, à avoir une bonne vision de votre guidon, ma cible floue, mon cran de mire flou et mon guidon bien net. Et il faut vous entraîner à faire ça autant de fois que vous le pouvez, autant de fois que vous le voulez pour que ça devienne instinctif. Ça va être la première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Tout simplement, on va tirer une série de 7-8 cartouches, autant de fois que vous le voulez. Et pareil, on va prendre notre visée, on va se concentrer sur notre guidon et on ne va pas lâcher les yeux du guidon. On ne se préoccupe pas du résultat en cible. Et on va voir ce que ça donne. Je me prépare et je vais enchaîner une série de 5 ou 6 cartouches sans quitter mes yeux du guidon, en me concentrant sur mon guidon et en ne me préoccupant pas du résultat en cible. Bon, premier essai, on voit que sans se préoccuper de la cible, en restant sur le guidon, en se concentrant, on arrive à grouper nos impacts. Alors oui, on peut grouper plus certainement, mais on voit qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de la cible, il faut vraiment rester concentré sur ce guidon. À chaque fois que vous allez avoir pris votre visée, que vous allez vouloir mettre un petit coup d'œil à droite ou à gauche, vous allez perdre votre position, vous allez perdre votre concentration sur le guidon, votre posture, et ça va entraîner des petits décalages en cible. Allez, on réessaye une fois. Ok, on recommence, on refait une série. Je prends ma visée. Je ne me préoccupe pas du résultat, je garde mon focus. Je garde mon focus sur mon guidon. 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 Mon guidon est net. Ok, je garde mon focus sur mon guidon. Ok. Allez, on va voir ce que ça donne. On peut voir que, voilà, l'important, ça va être vraiment de vous concentrer sur votre guidon. On voit qu'on a un groupement. C'est ce qui nous intéresse, de resserrer tout ça. Bien se concentrer sur le guidon va permettre de donner à votre corps la bonne direction, d'avoir la bonne attitude vers votre cible. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour débriefer ça. Bon voilà, cet exercice, il n'a rien de révolutionnaire. Vous comprendrez le principe, c'est de se servir d'une cible qui n'est pas zonée pour qu'on n'ait aucune pression sur le résultat, on se fout du résultat. Cette cible est juste là pour nous donner un repère visuel sur lequel on va venir poser notre guidon. Et tous les efforts, tout le but de cet exercice va venir du fait qu'on va se concentrer sur notre guidon. Et comme je vous le disais, on a tous un pouvoir de concentration qui va varier d'un individu à l'autre, donc il ne tient qu'à nous de nous entraîner et de travailler ça. Voilà, j'espère que ce tuto va vous être utile, que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer. Il est important de se concentrer quand on tire sur notre guidon. Avant de nous quitter, je voulais passer un petit bonjour à la PM de Rethel,
Allez, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, restez sûr, habile et adroit.